En 1867, la commune de Cagnes-sur-Mer reçoit des demandes de concession pour des sépultures particulières. Comme les dimensions réduites du cimetière ne permettent pas de satisfaire cette demande, la municipalité décide de créer un espace pour accueillir ces nouvelles tombes. Cette opération permettrait de lui apporter un revenu supplémentaire. Une bande de terrain accolée au côté est du cimetière est choisie. Représentée en noir sur le plan, elle appartient au terrain appartenant à la commune, délimité en jaune. Si le terrain concédé est si petit, c'est qu'il s'agit de la seule partie utilisable dans toute la zone. Placé entre la base de deux collines à pente raide, il faudrait réaliser d'importants travaux de déblai pour construire des tombes ailleurs, ce qui risquerait de décourager les concessionnaires qui doivent prendre en charge les travaux. La municipalité décide de réserver ce nouveau terrain à des concessions perpétuelles, car la taille et la nature du terrain ne permettent pas de faire de la place aux concessions trentenaires et temporaires. Cependant, cette disposition pose un problème, car elle est directement en opposition avec le décret du 23 prairial an 12 qui établit la présence dans un cimetière de trois catégories de concessions. En admettant que des concessions perpétuelles, la commune privilégie aussi directement les familles riches. Le préfet juge enfin le prix des concessions insuffisant. Fixé à 50 francs par mètre carré, il estime que ce chiffre n'est pas en accord avec l'importance de la commune, ni avec l'offre réduite du nouveau terrain. Les conditions légales n'étant pas satisfaites, le projet est abandonné. Motivé par une hausse nette des décès à partir de 1879, la commune de Cagnes-sur-Mer relance un projet de concession en 1884. Cette fois-ci, des terrains sont réservés pour chaque type de concession.